Dans la série des verbes irréguliers au temps présent en français, voici le verbe venir. Tu come ». This verb is also irregular. And let's see how. The first form, I come, is je viens. As you can see, there is nothing to do with the infinitive form venir. As here, we've got a new letter I just after the V. Je viens. The contraction is, je viens, je viens. Je viens te voir, je viens te voir. Je viens te voir, I come and see you. Je viens te voir. The second form is, of course, tu viens, so the same irregularity. Tu viens ou pas? Are you coming or not? Tu viens ou pas? Alors, décide-toi. Tu viens ou pas? Il vient, the same pronunciation. Il vient maintenant. Il vient maintenant. It's coming now. Elle vient, the feminine form. Elle vient avec son frère. With her brother. Elle vient avec son frère. Ah, d'accord. Pas de problème. On vient. On vient. On vient à cinq heures. On vient à cinq heures. Now, the form is regular. Nous venons. Nous venons. Nous venons de perdre. We have just lost. Nous venons de perdre. The expression venir de, you remember, it's the recent past in French. Nous venons de perdre. We have just lost. Vous venez, regular, to vous venez avec moi? Are you coming with me? Vous venez avec moi? So pay attention here, because of the pronunciation of the sound e, of the verb venez, You can remove it when you speak. Vous venez. Vous venez avec moi? And finally, the irregularity with the letter I is here. Ils viennent. Ils viennent with two N. Ils viennent pour les vacances. Ils viennent pour les vacances. Elles viennent. Elles viennent pour te voir. Elles viennent pour te voir. A summary of what we have just seen about the verb venir. Here we are. Je viens or oh, je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. On vient. Nous venons. Vous venez. If you want to speak uh, like a French guy, ils viennent. Elles viennent. And here you can see where the irregularity is on this verb. It is the same rule for a family of verbs. Not only venir, but also all these verbs. Abstenir, advenir, appartenir, circonvenir, etc. So they all have this little I in some forms of their conjugation. Let's speak about the negation. So here we are. Ne pas venir. So the form is here. Je ne viens pas, or je viens pas. Tu ne viens pas, or tu viens pas. Il ne vient pas, elle ne vient pas, on ne vient pas, nous ne venons pas, vous ne venez pas, ils ne viennent pas, elles ne viennent pas. A little text now to finish with this verb. Tu viens ou tu ne viens pas? Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, je viens. Nous venons avec vous. Ah, non, sinon, moi, je ne viens pas. So it's the correct way to say the text. So now let's speak like a French guy. Tu viens ou tu viens pas? Qu'est-ce que tu fais? Oui, oui, je viens. Nous venons avec vous. Ah, non. Sinon, moi je viens pas. So this way, you can pronounce it with a better pronunciation. Allez, maintenant, c'est fini. Alors moi je vous dis au revoir. Bon français. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et à bientôt.